Salut à tous, c'est Sacha, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour, encore une chronique de BD. Ça fait deux fois d'affilée je crois. Et désolé pour mon inactivité sur la chaîne, parce que déjà c'est une chaîne secondaire, l'émission touche à tout. Et aussi nous étions au Hellfest 2016. Mais bon, ça concerne la chaîne Le Coin Métal Officiel, qui est ma chaîne principale. Vous pouvez regarder, tiens, si vous voulez. Donc là, on a reçu notre BD de chez Dupuis. Encore merci à Coraline, merci Coraline. Et donc, c'est une BD que j'ai kiffé, que j'ai dévoré, cette BD. Oh, excuse-moi, Jenna. Excuse-moi, non, sans faire exprès, le livre est tombé sur elle. J'ai kiffé ce livre, il était vraiment excellent. Et donc, c'est Zorglub, c'est Munirella Zorglub, la fille du Z. Donc, oui, Scream m'a dit, oui, Zorglub revient, vu que lui, quand il était petit, il lisait... le petit Spirou, et il kiffait ça, Zorglub. Il disait, ah oui, Zorglub, le méchant, le petit Spirou, ah bah il revient en BD. Donc merci à Coraline pour cette BD. Donc je vais vous lire un peu le synopsis. Enfin une série à la hauteur de mon génie. Et vive Bulgors. Zorglub, l'antagoniste le plus méchant, le plus mégalo, le plus maladroit de Spirou et Fantasio, dévoile son quotidien de père débordé et de terrible inventeur. Zandra, 16 ans, aspire à une adolescence normale. C'est sans compter sur son père, savant fou de profession, qui supporte mal l'idée de voir sa fille chérie grandir si vite. Rien ne va plus au pays du Z. Donc, voilà, cette BD est vraiment super bien. On apprend tout sur la fille du Z. Ben, voilà. On apprend vraiment tout et il y a un bon débordement dessus, enfin un débordement, un retournement de situation qu'on s'y attendait pas du tout les loulous. Donc c'est vraiment bien. Et ce qui me fait rire, c'est les noms des machines, le Zobotron, voilà les parodies aussi de Star Wars, il y a Star Battle, il y a le Zorbotron, Zorgotron, tous des noms avec des Z. Et ça me fait bien rire, et quand j'ai Zorglub, je connaissais pas, voilà je vous avoue. Et quand on a reçu la BD du Dupuis, j'étais super content. Je dis, ah, c'est de l'espionnage, voilà, on voit quand même la couverture. C'est vraiment bien. Et les ailes et tout, ça me fait penser aux méchants de Toy Story, voilà. Mais bon, j'ai kiffé cette BD, encore merci à Coraline de Dupuis pour celle-ci. Donc on peut voir que c'est un peu argenté et qu'on sent une belle texture. Et quand on ouvre ce livre, il est vraiment génial. Vous en voulez, j'ai kiffé. Voilà. Ça montre un peu les conneries de Zorglub. Voilà. Donc j'ai kiffé cette BD. Si vous adorez l'espionnage ou les BD qui font vraiment rire et super bien foutu, prenez celle-ci. Zorglub, la fille du Z. Vraiment bien. Il est là, il est sorti en magasin. Donc je vous la conseille vraiment. C'est le Sacheur. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et je vous dis ciao.